lawale lawalew la jɔnya yɛrɛ sɔrɔla minnu fɛ o ye ni kɛlɛbolow tagara yɔrɔw la se bɛ se ka kɛ minnu na u b'olu de mina ka na n'u ye ko jɔnw. En effet, depuis 1905, alors que le Mali était sous occupation française, l'esclavage a été officiellement aboli par l'administration coloniale. La pratique de l'esclavage par ascendance avait donc cessé dans certaines régions comme Assan avec l'arrivée des missionnaires. En fait, on distinguait deux sortes. Il y a par exemple ceux que, puisque vous savez que beaucoup de les villages se combattaient, et donc quand vous revenez de la bataille contre un village, vous pouvez ramener des hommes. Mais il y a aussi que, arrivé à un certain moment, certaines familles pouvaient avoir moyen de se trouver des bras valides. Donc ce sont deux catégories qui sont très très différentes que les bois appelaient esclaves, donc entre guillemets. C'est la situation comme ça jusqu'à ce que la période coloniale arrive. L'esclavage est une pratique combattue aussi bien dans la religion chrétienne que musulmane. Le premier exemple, c'est quoi? C'est le premier verset de la sourate An-Nisa, la sourate numéro 4, qui nous dit « Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida » les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une seule âme. Nous sommes tous d'une seule âme, nous sommes tous d'Adam et d'Ève. Donc, il n'y a aucune supériorité pour un parce qu'il est master et pour l'autre parce qu'il est esclave. Non. Donc, ces considérations n'ont jamais existé en réalité enseignement islamique. Au contraire, l'islam est venu vraiment s'associer à ceux qui luttent contre. Pour ceux qui devenaient chrétiens, il n'était plus question d'être esclave, fils d'esclave et tout ça. Ça, c'était hors de question. Et ceux qui voulaient se prévaloir d'avoir des gens qu'ils ont possédés avant, et je pense généralement ça se terminait devant les tribunaux. Et à cette époque-là, les tribunaux, qui étaient surtout des colons, là, la plupart, c'était des gens d'origine française, c'était aboli. Dans d'autres régions du Mali, comme à Kaï, la pratique de l'esclavage par ascendance fait débat. À quel âge depuis Ambembake, parce qu'Ambembake, comme la frère Chokomina, il faut qu'on fasse un franc face à Kafraka. Ni aye ba fuko komo mo ko jon sisa o ye bamna jamu be momu na jara parce que ne jara de keta lanka ubea si sera lanka ubea fofo jamu bamna jamu be fofo la ba fuko le jon de donc or que mali la to foro foro la bamna munu me jara jamu nu numbe ya ani keta lanka nu numbe angona na chama antara immigration la mara ka dugu fa fla u te mara ka me u sigile u chela la donc i bu tete jonye donc duna na na Bunya be dirima ata don bomra ndo ate mara kan ero don ata do komu be senare jaga ilu hakila ulu a jonya minade ube jomu so do furu kadama ube foro do ta kadama kala dia dro ndo ka afen do kota mara do tuwa mina ka foku ya la dia ko do kama ayasro ko atara ro janna kwa ndo ko bemba ke nuru so na ulu tala me au na nasi a 20e siècle encore non stop encore de bois là ube fo munu ma jon unana mo do de nofe famille d'où de où nati, ou de où sur ou sur condition d'ola, soit quelque héros là, soit ou sans, etc. Maintenant, ni quel est là, c'est obligé ou c'est doutrima. Nous sera doutrima, doutrima, il faut n'abé l'ada de demain. Ou de a problème, ma héros, erre. Bon, deuxième problème, ambé digina babena, du coloco là. Du coloco, une belle explication dit Roma ou Kafam. Ne flenez d'outre. Foroba dugutigi foroba dugukolo be a be foro ma foroba dugukolo yele mane beka dugukolo me o maralen be nere la bon ni anye mo do ta sisan ni bolokoli kera e de be bolokode on garde
Boni muso bena don muso yala et de ben muso garé ambignon réuni conseil amba fo bo vraiment anga un demi hectare anga un hectare di karisama afana ka seneko kono pour que kaka balosoro. Est-ce qu'il y a une femme? Maintenant, Nikoko ite au baraque dobi. Moi, je mène au baraque. En bas, il faut que tu aies un sénat. Donc, je vais te dire que tu as un sénat. Non. Je vais te dire que tu as un sénat. Mais, Famali, tu as un sénat. Parce que maintenant, la Dakoni, il faut que tu aies un sénat. Il dit que tu as un sénat. Il dit que tu as un sénat. Il dit que tu as un sénat. Mais, ta tu connais na comme ça gira do so kalon kala mais si ngon na je pense amaka sik ko kuma ke an ni ron cha fam chamana pour que sik bassine ta konana donc am sik ngol voilà on connaît fra fin voilà et ta ka sik kuma ko la pour que maintenant fere ni mundo akana fa nga so ni fe sinon sik kuma ko ni adam na na mais avec euro do la hani wala kuma ko na avec fam do fe je merci. Selon certains leaders communautaires, il faut des solutions endogènes pour venir à bout de cette pratique. Pour la sensibilisation des cas, la sensibilisation des cas. Ati do do kuma chukushi la yi ke chukuchuka te do kuma fama bolo tise ka kele sharia bolo tise ka kele ska kele li aka gele me fo yurete anga nyuko na famya ka ira ka fo na tra ni dina sira jonya konti fama uka essaye ku sembwa la kato anje abe ban me tant que fama u sembala ate ban au fran Djonya, ce n'est pas légiféré. C'est-à-dire, Saria Djonjon Tala, Mumba Foko Djonya, Malikono, Nia Fomro Majon, Ikonendo, etc. Non. Mais, action Mounoumbe Tuakola, par exemple, ka embargo ke Mourola, Mourou Kana Fensa Bitrikono, Mourou Abu Deumbro, Utebo, Ute Jita Ubara, bon, etc., etc. C'est ça les infractions. Ou des infractions, et ou bien convenant. Obéissons par la loi et ça sera jugé par la loi. La loi fondamentale du Mali proscrit également toute forme de discrimination fondée sur l'origine, la race, l'ethnie, la couleur de la peau, etc. Donc ce n'est pas les instruments juridiques qui manquent. Au même moment, toutes les violences qui sont liées à ces pratiques sont prévus et punis par le code pénal du Mali. Donc il n'y a pas d'échappatoire à ce niveau, dire qu'il n'y a pas une loi spéciale sur l'esclavage qui pourrait empêcher ou freiner l'État dans ce combat. Donc nous pensons que les dispositifs juridiques existent. Il reste vraiment beaucoup plus d'implication de la justice pour punir et sanctionner les cas de violence qui résultent de ces pratiques-là. Et parallèlement, nous continuons le combat pour l'adoption d'une loi qui incrimine ou qui criminalise l'esclavage, comme c'est le cas en Mauritanie et au Niger. En plus des dispositifs juridiques, la Commission nationale des droits de l'homme du Mali propose 3 stratégies pour mettre fin à ces pratiques. Il y a, de notre point de vue, une stratégie qui repose sur 3 piliers. Nous avons dit qu'il faut informer, il faut sensibiliser dans un premier temps. Parce que dans ces zones-là, il y a beaucoup d'analphabètes qui ne comprennent pas qu'en ce 21e siècle, on ne peut pas continuer à faire la promotion de l'esclavage. En plus de l'information, il faut le plaidoyer. Le plaidoyer, c'est auprès des autorités également. Parce que même à ces niveaux, à des niveaux insoupçonnés, les gens ne sont pas à mesure de faire la part des choses par rapport à un certain nombre de concepts, de principes. Donc il faut les approcher, leur expliquer et mettre le doigt sur leurs responsabilités. Et le troisième pilier, c'est vraiment la répression. Il faut réprimer. Donc lorsque à l'interne, la répression n'est pas suffisante,
On est obligé d'impliquer la communauté internationale. D'ailleurs, la communauté internationale est au courant à ces jours. Et récemment, il y a eu deux fora à Bamako sur la question de l'esclavage. Et il y a des délégués qui sont venus de partout, un peu dans le monde entier. Il y a eu des représentants de beaucoup de régions du monde entier. Et même au Canada, le barreau pénal international qui est au courant du dossier, qui a promis d'accompagner ceux qui sont en train de combattre le phénomène de l'esclavage au Mali. Donc c'est dire que nous sommes à la phase de constitution et de documentation plutôt des dossiers. Parce que c'est une question de preuve. Lorsque l'affaire sera portée devant les juridictions, il va falloir réunir les preuves. Et donc nous sommes à cette phase par des PV d'huissier, par des images que nous prenons, des scènes de violence. Imaginez-vous qu'au 1er septembre 2020, on a battu à mort 4 personnes et on les a jetées dans la mare, tout simplement parce que ces personnes ont refusé leur statut d'esclave. Et à ces jours, il y a des centaines de personnes qui sont menacées et qui sont obligées de se cagouler pour pouvoir survivre dans leur pays. Et parce que, bon, il y a des menaces de mort à leur encontre. Donc, ça ne peut pas continuer. Ainsi, ces personnes traitées comme esclaves par ascendance ne demandent aujourd'hui que l'adoption urgente d'un décret et son application pour criminaliser l'esclavage au Mali.